Fait que voici le nouveau Shell pour remplacer la poubelle avec inspection. Dans le fond. En ce moment, ils sont des coilovers qui sont pas à moi. Juste que le gars, ça, il tentait pas de les démancher. Il a dit, ah, t'es démanché pas avant que t'arrives chez vous, puis tu m'entendras plus tard. Fait que c'est ça. Mais c'est beau, t'as des coilovers de même. C'est chaud. En tout cas. Peut-être bien qu'à un moment donné, je me ramasserai des coilovers, mais là, en ce moment, c'était pas la priorité. Fait que, si je fais le tour du char, le bumper en avant est pété, mais on s'en fout, j'en ai un bumper neuf, des pièces en avant, j'en ai blablabla en masse. Plus les ailes en arrière. Les ailes en arrière qui sont pas prises en doute. Comparé à mon ancien, il y a des belles clear lights dessus. Full racer. Je pense pas que ça va rester là. Ouais, il y a celle-là qui commence un peu, là. Ou peut-être qu'elle a déjà été refaite, là. Je suis pas trop sûr, on dirait que ça a déjà été refaite. En tout cas, il va y avoir cette barre-là qui commence un peu, mais elle est loin de. C'est loin d'être comme mon autre shell. Puis. Il est quand même pas mal d'origine, là. L'ordi, il traîne même pas au pied, c'est quand même pas pire pas en tout. Puis. Hey, la clanche d'origine, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ah, c'est vrai, il y a un windshield pas pété. Man. Un windshield pas pété. La clanche d'origine. L'ordi pas au pied. Un des rares modèles avec l'aileron en métal. Un truc de wiper. Puis quoi? Un catch là, en tout cas, puis une poignée. Même affaire pour celle-là. Là, j'en ai vu trois dans le fond à date. Là, j'ai vu celle-là, puis un qui traîne chez un de mes chumés. Elle roule en métal. C'est fucké, hein? Même la roue qui se fait là-dessus. Si on regarde mon ancien body, là, il était tout rouillé ici, il était accidenté, là. Ça s'est rendu croche, ça s'est rendu pas mal croche. En bas, là, on peut voir que le support de rad en bas, il est cassé. L'autre bas aussi, il est cassé, là, à gauche. En tout cas, fait que. Ça, c'est la merde. Sur celle-là, il est pas parfait. Il y a de la rouille, mais tu sais, c'est genre de la rouille de surface. En tout cas, je pense arranger ça. Il y a de la roue ici, mais en tout cas, surtout qu'il est pas crashé, il est pas tout croche. Il est pas aussi rouillé que l'autre même avant que je le crache. Puis, le support de rad. Oh. Le support de rad est bien beau. Justement, la pire affaire, c'est pas mal ça ici. Oh. La pire affaire, c'est pas mal ça ici. Puis, ici, sur le dessus de choc, là. Mais en tout cas, il va falloir que je sorte le moteur puis tout ça là, pour mettre mon swap. Fait que j'en profiterai pour préparer l'engine bay en même temps. Dans le fond, ça c'est un D16 non VTEC. Puis il est automatique. Fait que même un cluster d'automatique. Il va falloir que je swap mon cluster, ma tranny, toutes mes pièces dans le fond là. Ça va être mon nouveau shell. Le plancher il est pas parfait non plus là. Le plancher va être à refaire, mais tu sais, moi, depuis quand j'ai des chars parfaits, hein? J'ai jamais eu des chars parfaits. Fait que. Anyway, au début, en tout cas, quand je pensais à me ramasser un EG puis un EK, je me disais, ah, je vais en ramasser des parfaits, là, au pire, je m'en fous, je sortirai le cash. Mais là, j'ai des 240. Fait que là, les 240 roulent l'été, puis ben, les Civic, c'est rendu des chars d'hiver. Même si son turbo droppé, j'en ai rien à foutre, c'est des chars d'hiver. Fait que ça me sert à rien d'en ramasser un le plus propre possible, puis de. Ben, d'aller rouler l'hiver, là. Fait que, tu sais, je me dis, bah, ok, là, je vais en ramasser un correct, mettons. Là, je regarde, puis je suis comme, est-ce que c'est beau? Hey, même mon autre Civic, là, il a jamais été droppé en arrière. Parce que tout le monde qui a un Civic, puis qui a déjà voulu dropper le cul de son Civic, a déjà vu comment c'est fait, là, ça casse tout le temps, puis c'est pas le fun, puis je voulais pas avoir besoin de jouer là-dedans, mais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai genre toujours laissé ce stack en arrière, petit drop en avant. Juste pour voir la différence. Ah, pas pire différence. là, il est juste beau parce qu'il est droppé. N'importe quel char droppé avec des mags, là, avec une belle peinture, mettons, bien éclairée, là. Ah, c'est beau, là. Fait qu'en tout cas,
sais, lui, il manque une peinture bien éclairée puis des mags, là, mais juste la drop, ça, juste la drop, moi, je capote. Fait que avec toutes mes pièces dessus puis toute la chute, là, ça devrait être pas pire. Fait que là, c'est le projet, le prochain projet, là, ça devrait pas coûter trop cher parce que j'ai pas mal déjà toutes les pièces. Je voulais enlever le B18 de Shrek. B18, je m'en rappelle pas, un B ou un A, j'en ai rien à foutre. Puis mettre ça là-dedans. J'ai une tête de sapeur, j'ai une traînée sur un. Mais là, il me faut la passe VTEC. Puis là, après ça, je me suis dit, tu sais, je vais essayer ça de même avant de le mettre turbo. Sauf que là, je me suis dit, ouais, là, vu que je fais comme un LS VTEC, LS VTEC, c'est n'importe quelle base, pas VTEC avec une tête VTEC, là. Fait que, en tout cas, mettons, je fais un LS VTEC, va falloir que j'aille faire chipper mon ordi pour avoir le VTEC, puis blablabla. Fait que là, je me dis, tant qu'à faire chipper mon ordi une fois, man, pour avoir mon VTEC, puis après ça, l'essayer pendant un certain temps, puis après ça, mettre tout le kit turbo que j'ai déjà. C'est juste parce que je me suis dit, avant de mettre un kit turbo, de faire tout sauter, on va voir si le moteur, il est fiable, puis tu sais, je sais pas, en tout cas. Je sais que le moteur est fiable, j'ai déjà roulé dans mon EG, mais tu sais, je sais pas. Fait que là, c'est ça. Le plan, c'était de mettre le B18 LS VTEC avec un kit turbo, peut-être. Tant qu'à le faire tuner, on va le faire tuner rien qu'une fois. Sauf que là, pour ça, il manque une coupe de cossin, là. Il manque la passe à l'huile pour de la tête, puis il manque ben, la tune, puis il manque du temps, puis de l'argent. Fait que, ce que je pourrais faire, ce que j'ai décidé de faire de façon BS, prendre ça, sortir ça de là. Il y a deux, trois problèmes. Premièrement, ça ici, que je m'étais dit que j'allais arranger, même qu'il soit sorti. Fait que même qu'il soit sorti, je vais pouvoir arranger tous mes cossins de headers, là, comme ça. Mes studs de headers. Comme ça, ça devrait plus avoir de fuite de boost par là. Puis j'ai la oisillette et tout qui fuit, là. Je vais pouvoir l'enlever, à ce moment-là, parce qu'en tout cas, se rendre là, c'est pas full le fun. Ça, c'est juste les. C'est même pas les bonnes bottes, hein, c'est là. Je sais même plus son. Ah, ça m'a dit plaisir. Fait que, ouais, ça, je ferai ça plus tard, dans le fond, là, même qu'il soit sorti. Pis, c'est quoi le problème? La clutch de merde, hein, c'est vrai. La clutch, ça fait genre 2 ans que j'ai une clutch chez nous, pis je me dis, ça fait 2 ans aussi que j'ai un shell avec une inspection, tu sais, de G, pis je me dis, je vais sortir le bloc de lui pour le blablabla. Fait qu'en tout cas, faudrait que je mette la clutch que j'ai déjà. Les studs, j'étais déjà. Pis, ça, c'est de quoi? C'est juste dévissé, peut-être. En dedans, il y a comme une membrane, là, pis en tout cas, avec une genre de bolt pis des notes, là. Ça se peut que la note soit juste lousse, pis elle est tombée, peu importe. En tout cas, je vais checker, mais, tu sais, s'il y a de quoi, juste enlever ce bloc-là, pis refoutre ça dans l'autre champ, ça coûte nada, man. Ça coûte de l'eau dans le rad. Ben, dans le fond, l'eau, ça coûte à rien. Pis, ça coûte de l'huile. La seule chose que ça me coûte, là, c'est un shell. J'ai mon shell, il est là. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Je dirais, là, on va s'arranger pour que je sois prêt le plus bientôt possible, mais de faire ça correct en même temps. Puis là, je regarde la peinture, puis je me dis, fuck, faudrait que ce soit noir. Mais tu sais, un beau noir, là. Pas genre un noir 1990, là. Tu sais, genre un noir lustré pétant, là, que tu vois, man, à travers. Live, il y a pas de break. La pédale à break est méga molle. Que je checkais ça ici, puis ça ici, c'est encore plein. Fait que j'ai pas de break, mais ça coule pas. Et le gars avant moi, dans le fond, là, il a jamais roulé le char, là. Fait que c'est ça. Dans le fond, lui, il sait pas c'est quoi le trouble. C'est quoi, il l'a acheté de même. Fait que va falloir que je commence par, moi, ce que je ferais, c'est que je bleederais. Faudrait que je bleed les breaks. Sauf que, faudrait les deux pour faire ça. Puis probablement que les petites vis de purge vont péter. Peut-être pas en avant. Si je suis chanceux, en avant, ils péteront pas. Mais en arrière, je suis pas mal sûr qu'ils vont péter. Puis là, quand ça pète, ça va coûter deux cylindres de break en arrière. Mais je pense que c'est genre 15-20 puis à chaque, là, c'est pas la grosse affaire. Ah ouais. Ah. Fait que, ouais, c'est ça. Dans le fond, première des affaires, enlever les callovers, parce que c'est pas les miennes. Puis deuxième des affaires, arranger les brakes, parce que je me demande c'est quoi. Puis après ça, on va passer à tout enlever le bloc, enlever l'intérieur, puis une partie de l'extérieur, puis tout swapper les pièces. Puis une fois que ça va tout installer à mon goût, je vais sûrement tout désinstaller pour leur peinturer noire. Fait que, en tout cas, ça, c'est pas mal de projets qui s'en vient pour le futur, mais en même temps, j'ai un S13 que j'aime beaucoup aussi, là, un petit S13 bleu poudre, là, que peu importe ce qui va arriver avec celle-là, c'est lui qui va passer en premier. Fait que c'est ça.
Fait qu'on devrait voir le S13 ou ça bientôt sur le channel. Mais je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire là. En attendant, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!